Je
parle, toi aussi $5. Non, non, moi c'est la communication. Ceux qui ne vont pas payer ne seront pas visibles dans mes images, c'est clair. Sous les arbres,
déjà à partir de ce mercredi, il y aura une proposition. Les ennemis, on va normal, tu es trop de vrai foyer, carton. Où est un carton? C'est quoi ça? Jésus. Bon retour. Les après, moralement, il s'agit.
C'est combien? Il faut rien à ta ou? Nous, nous sommes vos fils aînés. Non, c'est les comtesses de Goma. Ça vient de se confirmer. Je pense à votre volonté. Vous auriez voulu être au stade pour suivre ce match en live. Mais Dieu, dans sa volonté, a fait que vous soyez à Goma pour suivre le tout premier match officiel de la SVEC sous l'air d'Estine Kazadi avec les comtesses de Goma. Ça confirme vraiment que nous sommes des fils aînés. Ahmed, j'ai une promesse à vous faire. Oui. Je reviens à Goma pour le match qu'on aura contre Mazembe. Merci. Et dis déjà qu'on va faire 3-0. On va les battre. Voilà. C'est bien fêté à Goma. Vous avez été un tout petit peu flatté de l'accueil. D'abord, une grande fierté. Je suis très heureuse d'être d'abord à Goma. J'avais promis que je serais à Goma aujourd'hui avec vous tous, les supporters. Quand j'ai appris que je devais accompagner le président pour une mission service, donc j'ai appelé directement le président pour dire je serai avec vous pour fêter notre première victoire. Il faut savoir qu'après 4-5 mois de confinement avec le Covid, notre équipe, vraiment, il faut la féliciter. J'en suis fier. Le recrutement est, je dirais, royal. Il a été étudié avec l'équipe technique, avec le coach, avec moi-même. On a étudié pour avoir des tacticiens. Et vous pouvez constater que le jeu, il est puissant, il est agressif. Et on a des buteurs un peu partout, aussi bien au milieu du terrain, aussi bien à la défense, à l'attaque. Donc je suis extrêmement optimiste. J'ai promis également au président de revenir le 18 à Goma. V-Club Mazembe, on gagne, on a vraiment, Dieu est avec nous, on va gagner. Je vous ai promis la Coupe d'Afrique, on va aller la chercher, on va aller l'arracher, on va la ramener au pays, on va la ramener à la maison, on va l'offrir à la République démocratique du Congo. V-Club va faire ça, puisque V-Club est un club moderne, un club compétitif, un grand club. Aujourd'hui, on l'a prouvé. Nous sommes le premier club à avoir gagné la première victoire. C'est une bénédiction. Et c'est une ouverture vers la victoire. Soyez avec moi, ayez confiance en nous, restons concentrés, déterminés, soyons compétitifs, ambitieux, et je pense qu'ensemble, nous sommes véritablement forts. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour permettre à ce que l'équipe puisse aboutir à cette ambition? Mais déjà, vous avez vu la qualité des joueurs, la qualité de jeu. Vous avez vu une diversité, une mixité. Vous avez vu un jeu qui est rapide, il est puissant, il est agressif. C'est un jeu de finale, c'est un jeu qui prédit une victoire.
Ensuite, je vous ai promis sport business, c'est-à-dire il faut faire rentrer de l'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Pourquoi ? Pour donner des conditions idéales à nos athlètes, pour qu'ils nous rapportent des victoires. Vous les supporters, je compte sur vous également. Je vous ai dit, il y a deux populations qui me tiennent à cœur. Les supporters et les athlètes. Il faut m'aider à réaliser cela. Je ne peux pas le faire seul, je le fais avec vous. Le merchandising, on est en train de discuter avec les sections pour faire venir la marchandise et pour pouvoir vendre les vareuses, tous les produits dérivés de V-Club. Pourquoi ? Pour justement améliorer les fonds, les recettes de notre club. Il faut m'aider, nous sommes ensemble, vous l'avez prouvé, vous m'avez très bien accueilli, je suis très heureuse, très émue. Vraiment, je suis toujours sur l'émotion. Merci à vous tous, moi je crois en vous, croyez en moi, et si nous croyons ensemble, nous allons gagner. Et pourquoi vous choisissez Goma pour le match contre Mazembe, venir suivre ce match ici à Goma? Non, mais parce que d'abord, Goma, c'était un peu une... Comment est-ce que je veux dire ça? Un porte-bonheur. Je ne devais pas être à Goma aujourd'hui, je suis là pour des raisons de service, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai tenu à être avec vous pour regarder le match, parce que j'étais convaincue que ça allait être un très bon match, avec une victoire à la clé. Mazembe joue à Goma, il est normal que je vienne. V-Club va jouer à Lubumbashi, je serai présent. Je vais essayer de suivre le plus possible l'équipe pour les encourager et pour leur prouver que la sueur, on la partage ensemble. Madame, vous êtes prête à gérer les émotions puisque dans le monde du football, il y a trois résultats, une victoire, une défaite et un match nul. Vous êtes habitué, nous sommes des sportifs avant tout. Madame, bientôt les Centaur Club de la CAF avec des équipes féminines. On a vu déjà Mazembe commencer à entamer les projets. Vous avez suivi à la RFI, vous avez évoqué, et en qualité des Kumpa Vita, comme vous avez été surnommé. Quelle est cette promesse rassurante pour nos filles également de pouvoir jouer au football? Oui, nous sommes en pleine négociation avec la structure de cette nouvelle équipe. Nous l'avons annoncé avant, nous allons la réaliser. D'abord, en tant que femme, j'ai ce devoir de montrer que le monde du foot n'est pas exclusivement un monde réservé aux hommes, un monde machiste, mais que les femmes en sont les bienvenues. Bien sûr, il y a l'ère de la femme, du genre, et nous avons évidemment l'obligation aussi, le devoir d'accueillir et d'accompagner, d'encadrer nos filles qui sont prêtes à venir jouer avec nous dans V-Club. Bientôt, la présentation de l'équipe féminine. Merci. Merci à vous. C'est pas elle qui nous demande. Hein, c'est vous qui devez nous payer un peu. Non, c'est pas. Vous ne devez pas voir la présidente, c'est moi.